Bonjour, chers participants de cette formation. Je vais vous montrer le logiciel que nous utiliserons lors de cette formation. Le logiciel numéro 1 que je vais vous présenter s'appelle Réinitialisation Fastboot. Le vrai nom même, c'est Fastboot. OK? Et Facebook nous permet de réinitialiser le compte Gmail Google sur les téléphones SPD et autres. Peut-être que d'autres vont dire, ben, qu'est-ce qui est SPD? Nous allons voir tout ça dans cette formation. Le numéro 2 de ce logiciel est GSM Aladdin. GSM Aladdin nous permet de réinitialiser le compte Gmail, Google, mot de passe, code de sécurité sur les téléphones Android et non Android. C'est-à-dire les téléphones SPD, MTK et autres marques que je n'ai pas citées. Et le troisième, c'est le logiciel Mirabos. Beaucoup ont entendu Mirabos parce que Mirabos est un logiciel pour le banan, bon, qui fait beaucoup de travail. Et Mirabos nous permet aussi de réinitialiser le compte Gmail Google. Ça dit Google, quand on parle de Gmail, on peut dire compte Google aussi, quoi. Mot de passe, code de sécurité sur les téléphones Android et non Android. Et les autres marques aussi. Et aussi, on va voir FlashTool. FlashTool, qui est un logiciel qui nous permet de réinitialiser le compte Gmail Google, mot de passe, code de sécurité et aussi nous permet de reprogrammer un téléphone qui est déprogrammé. C'est-à-dire un téléphone qui est déprogrammé, c'est un téléphone qui s'allume, ça reste comme ça et ça ne va pas à l'écran. Ou bon, un téléphone, oui, ça s'allume, ça s'éteint. Et avec ce logiciel Flash Tool, mais ce n'est pas Flash Tool seul qui fait ce travail avec d'autres. Que nous allons voir dans cette formation. Voilà. Et NCK Pro, Boss Pro, qui est un logiciel aussi qui est bon, qui nous permet de réinitialiser le compte Gmail, mot de passe, mot de passe, code de sécurité et de réparer le problème email des téléphones Android, MTK et autres marques. Parce que il peut arriver, vous finissez de flasher ou reprogrammer un téléphone et le réseau ne vient pas. Cela souvent est dû au manque de code IML. Et c'est ce logiciel qui va vous permettre d'insérer ce code pour que le téléphone puisse fonctionner correctement. Ici, vous allez voir l'interface de Flash Tool. Voici comment ça se présente ici. Voici tout ça là, nous allons voir dans cette formation. Nous allons voir tous ces paramètres là. Je vais vous dire comment ça fonctionne, comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et ici, j'aime Saladin qui est là, qui est un logiciel aussi qui nous permet de faire plusieurs travails. Et ce j'aime Saladin. Ici, vous allez voir. Bon, en tout cas, c'est pour vous présenter le logiciel que nous allons utiliser en fait. Voilà. Okay. Et vous allez voir aussi, nous allons voir ce logiciel qui est là, qui nous permet Mirabos. Ce Mirabos qui nous permet de faire plusieurs travaux que j'avais cités au début. Voilà l'interface de Mirabos. Ok. Et aussi, je vais vous montrer comment on installe ces pilotes. Parce que avec vous n'avez pas installé ces pilotes, le travail ne peut pas fonctionner correctement. Donc nous allons installer tout ça là et voilà. Donc suivez la formation. Et ici c'était la vidéo de présentation de ces logiciels que nous utiliserons dans cette formation. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.